Good morning! Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va parler sport et c'est le premier challenge de ma chaîne. Donc j'espère que ça va vous plaire. On va tester le 2 weeks shred de creatine. Donc le challenge de semaine. J'espère vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je fais quelques sondages, voir ce qui vous intéresserait ou pas. Et puis bah, pour me suivre au quotidien tout simplement. Je suis assez active sur mon Instagram. Et sinon, on va directement rentrer dans le vif du sujet, donc je vous emmène avec moi pour ces 2 semaines de challenge. Et j'ai très faim, donc je vais juste me faire un peu de pain avec de la salade de crabe et de thon. Aujourd'hui ça va vraiment pas être une journée très fofolle niveau bouffe, désolée, mais je reste réelle et j'ai vraiment pas envie de me faire à manger là, donc voilà. Pour le repas du soir, donc entre temps sur mon 4h, je me suis pris un petit bol de fraises avec une petite madeleine, j'avais besoin d'un peu plus. Donc voilà. Et ici je vais me faire une salade, mais j'ai vu qu'on avait ça dans le congèle, donc je peux pas résister. Je vais me faire, je vais voir la taille, mais une ou deux petites croquettes de fromage pour mettre sur ma salade. Et je pense qu'on est bien. Concombre, tomate avec un peu d'huile d'olive et peut-être un peu de vinaigre balsamique aussi. Je crois que j'ai du maïs, donc je crois que je vais mettre du maïs aussi. Et voilà pour ce repas de ce soir. Donc je vous montre tout de suite le résultat. Et voilà du coup le plat du jour. J'ai rajouté du maïs, des graines de chia, de l'huile d'olive, un peu de sel et un peu d'huile de truffe. Et en gros voilà ce que je viens de manger. Bon appétit et on se retrouve demain. Et le jour 2 la
fais déjeuner et puis voilà. Oh là là, ce matin c'est vraiment très difficile. Ça va être dur aujourd'hui, je le sais. Mais on est parti. Comme je vous ai dit, une grosse flemme ce matin, donc ce sera encore des calox. Je me rattraperai le prochain jour, je vous le promets. Je vous montrerai d'autres trucs parce que c'est un peu triste. Pour préparer mon granola pour les prochains jours. Donc, voilà les ingrédients qu'il vous faut. De l'huile de coco. Je suis toujours et encore dans mon peignoir. Sorry, not sorry. J'ai trop froid en ce moment. Bref, on s'en fout. Des noix de coco effilées. Des amandes effilées. Des graines de courge. Alors, du sirop d'érable. De la cannelle. Du riz soufflé et du sarrasin. Ici c'est du sarrasin soufflé, je sais pas si c'était exactement ça qu'il fallait. Je pense que oui, mais il disait juste sarrasin dans la recette. Donc voilà. C'est une recette qui me vient de mon copain en fait, qui fait le programme Center de l'app de Chris Hemsworth. Et donc j'ai goûté ça chez lui et je trouve ça beaucoup trop bon. Donc je lui ai demandé la recette et c'est ce qu'on va faire là maintenant. J'avais oublié de vous dire, il faut aussi de la poudre de cacao. Pour ce soir, vu que j'avais envie de rien et de tout, je me suis fait un petit style d'apéro avec des petites cracottes. C'est celle-là aux céréales. J'ai mis du jambon de Parme, un petit morceau de fromage, du thon et du crabe et un petit peu de tomates et de maïs. Donc voilà mon repas du soir. Bon appétit! Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you, I'll always be there. Pour ce midi, on va faire une quiche. Je vais faire un quiche avec des lardons et des poivrons. Dans un bol, je vais mettre un œuf que je vais, deux œufs que je vais battre. Je vais ajouter la crème, poivre, sel. Et après, je vais mettre de l'éventail. Et du coup la pastèque que je vous ai montrée. Et puis j'ai été chercher, oui j'ai craqué sur le net, je vais pas me montrer, mais je vous le dis parce que je suis honnête avec vous. Du coup plus light, je me suis fait une petite salade. Et puis là j'ai du thon et du crabe. Et j'ai une baguette qui cuit pour mon petit repas du soir. De cette semaine, on est le lundi 4 mai, donc voilà pour le body update où j'en suis.
Donc voilà. Et donc jour 2 pour le sport. Petit update. Bon bah évidemment pas grand changement depuis hier. Mais comme ça on va faire ça tous les jours. Et on va pouvoir voir convenablement l'évolution de ce ventre. Je n'en peux plus, il y a vraiment des trucs que j'ai vraiment durs. J'arrive pas à tenir tout du long. Donc j'espère que demain ça sera une meilleure session. Mais bon, j'ai quand même fait, donc c'est mieux que rien. Mais j'ai vraiment eu dur. Pour le jour. Nous voici en ce 7e jour. Hello, hello, donc on est le jour 8. Jour et cette deuxième semaine de challenge, j'ai fait le challenge. J'ai juste hier switché sur un autre entraînement parce que je me suis entraînée avec mon copain, mais bon, j'ai quand même été active donc je pense que voilà. J'ai jamais eu autant de courbatures que depuis cette séance, mais j'ai quand même décidé du coup de terminer ce challenge aujourd'hui en ce 14e jour. On va faire comme ça, c'est beaucoup mieux. Donc voilà pour le body update. C'est la fin des 14 jours avec Chloé Ting, je me suis entraînée. Est-ce que je vois une différence? J'ai vu une différence, oui, au fur et à mesure. J'ai vu que les exercices et les séances, j'avais de plus en plus facile à les faire. Donc je suppose que c'est parce que je me tonifie de plus en plus. Sur mon corps, est-ce que je vois une différence? Je vous avoue que je ne sais pas. Peut-être tout doucement, oui. Peut-être que je commence à creuser légèrement ici. Voilà, j'ai toujours ça qui me gêne fortement, moi personnellement. Je préférais que ça disparaisse, vous voyez. C'est chaque chose en son temps. Mon copain, lui, a l'impression que j'ai de plus en plus ici, ce côté-ci qui s'affine. Donc je pense qu'il y a une différence. Je vais essayer de comparer deux parties de vidéo, donc du coup du premier jour et d'un des derniers jours ici récemment où on voit... mon ventre pour vous montrer s'il y a une différence. Comme ça on peut comparer. Voilà, après franchement très très bons entraînements, ça m'était vraiment à bout à chaque fois. J'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus. Vous avez vu, toute rouge, transpirante. Genre je donnais vraiment mon max et c'était très très efficace et assez hard. Je crois qu'en 14 jours c'est difficile de voir une différence vraiment flagrante. Souvent faut faire hyper attention à ce qu'on mange derrière. J'ai fait attention mais comme vous voyez, vous l'avez vu, et pas tout le temps parce que j'ai pas filmé les derniers jours-ci, mais j'ai vraiment pas, je me suis pas privée pour vous dire, j'ai englouti sa crêpe avant-hier, donc voilà, je suis pas parfaite. Je voulais surtout vous montrer ça pour vous montrer, voilà comment moi je l'ai ressenti. Ça vous intéressait de voir aussi une expérience, donc voilà. Et puis surtout, je voulais vous montrer un peu ce que je mangeais aussi pour que vous voyez que. Pour que vous ayez un rapport en fait, parce que je pense que ces entraînements là, quand on fait vraiment vraiment fort attention à ce qu'on mange, ça marche encore mieux. J'ai pas non plus fait ultra attention, donc c'est sûr que du coup je pourrais remarquer une différence moindre que d'autres personnes qui feraient hyper attention. Voilà, j'ai essayé de boire un peu plus d'eau, mais voilà, encore une fois je suis pas parfaite, donc tous les jours je le faisais pas. Je sais pas trop quoi vous dire de plus à part allez-y, testez-le.
Et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, vous mettez mon Insta juste ici, parce que du coup je vais continuer à m'entraîner, à vous montrer mes entraînements là-bas, à vous donner plein de motivation pour vous aussi mener à bien vos objectifs, parce que c'est ça que j'aime bien aussi partager sur Insta. Je vois que vous êtes de plus en plus à gagner de la motivation grâce à ce que je partage, etc. Et moi du coup je gagne de la motivation à vous partager tout ça en fait, parce que je me dis faut que je leur montre que j'ai fait mon entraînement du jour, qu'on est ensemble là-dedans. Je vois que vous êtes de plus en plus à répondre à mes petits sondages quand je suis quasi journalier maintenant. Est-ce que vous êtes de la team active ou la team lazy? Donc ça me fait assez plaisir de vous voir réactif à tout ça. Je vais aussi vous mettre mon Insta en barre d'infos du coup. Et je vous mettrai aussi le lien de la chaîne de Chloé Ting, même si vous tapez Chloé Ting dans la barre de recherche, vous la trouverez directement. Je vais vous mettre ça dans la barre d'infos et je vous mettrai aussi le lien de son site internet avec ses programmes du coup gratuits. Elle a plusieurs programmes différents. Si jamais vous voulez une autre vidéo de ce genre ou d'autres vidéos sport, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne et si l'ambiance de la chaîne vous plaît. Je serais hyper heureuse de vous accueillir dans cette famille qui s'agrandit de jour en jour et ça me fait ultra plaisir de vous voir de plus en plus nombreux. Donc merci pour ça et n'hésitez pas aussi à lâcher un like si jamais cette vidéo t'a plu. Enfin voilà, bref, j'ai assez parlé je pense. Je crois que je vais vous laisser ici la vidéo. Je pense aura quand même été assez longue. Je vais essayer de la raccourcir un maximum. Mais raccourcir 14 jours de séance de sport en quelques minutes, c'est pas hyper simple. Je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous. Merci de me suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis de prendre soin de vous. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.